Vous vous rendez donc dans votre compte TikTok, vous sélectionnez en bas à droite l'icône « Moi » et ensuite en haut à droite, vous aurez l'icône des trois points. On arrive dans le menu des paramètres et de la confidentialité de votre compte, on va sélectionner « Gérer le compte » et en bas, on verra l'option « Supprimer le compte ». TikTok vous rappelle que la suppression d'un compte est définitive. Avec cette suppression, vous supprimez l'ensemble de vos données et de votre contenu publié sur le compte TikTok. La suppression se fait en deux étapes. Dans un premier temps, votre compte est désactivé pendant une période de 30 jours, puis au bout de ces 30 jours, il est supprimé de façon définitive. Si jamais vous vous reconnectez avec vos identifiants sur ce compte dans la période des 30 jours, celui-ci est réactivé automatiquement et il faudra alors refaire la procédure pour demander la suppression définitive. Nous, on va donc supprimer définitivement le compte, on fait continuer. On vient de nous envoyer un SMS avec les 4 chiffres pour valider notre demande. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à aller dans les paramètres de votre compte et vérifier que votre numéro de téléphone est bien renseigné, ou éventuellement votre adresse mail si le compte est associé avec une adresse mail, et vous confirmez « Supprimer le compte ». Une nouvelle fois, on confirme « Supprimer ». Et voilà, notre compte est donc désactivé pendant une période de 30 jours et il sera supprimé définitivement à l'issue de cette période. Il ne nous reste plus qu'à supprimer l'application. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et nous on se dit à très vite pour d'autres tutos sur Me désinscrire. Passez une excellente journée !